C'est sur cette partie de la Marne que les licenciés du club canoë-kayak d'Ancerville s'entraînent. Cet été, certains d'entre eux ont participé au championnat de France en Haute-Savoie et ont réussi à terminer sur le podium. Pour parvenir à ces championnats, il faut d'abord réaliser plusieurs courses au cours de la saison et se qualifier dans les 20 premiers. C'est avec fierté qu'ils commencent cette nouvelle année et espèrent à nouveau participer à ces championnats. On est toujours un peu stressé, hein, notamment sur Bourg-Saint-Maurice qui est certainement un bassin naturel. Quand je dis bassin naturel, c'est dans une rivière naturelle qui est certainement le plus difficile de France, hein, puisque on évolue pratiquement sur un torrent, donc il faut déjà lutter contre les éléments, la nature, l'eau vive, les courants, les rochers. Et puis après, bah, il y a l'enjeu sportif, hein, sur la compétition, donc on a un stress un peu supplémentaire. Mais bon, avec l'expérience, je reste assez serein sur ce type de compétition. Ça faisait longtemps que je courais après ce type de champion de France individuel, et donc ça a été une joie et un peu un aboutissement d'une saison d'entraînement et de compétition, de sélection pour pouvoir accéder à ces championnats de France.